Coucou à tous, j'espère que ça va chez vous. Ici, ça va pas trop mal. Je vous retrouve avec ma tête du soir parce que en sortant du travail, je suis allée chercher mon petit colis. Je vais vous montrer ce que c'est. Calendrier de l'Avent, calendrier de l'après. Je vous ai posé la question sur Instagram de savoir si vous aussi vous regardiez des vidéos, des calendriers de l'Avent pour savoir si vous aviez envie de l'acheter ou pas, si ça vous tentait au final ou non, si ça valait le coup ou pas. Et j'ai envie d'ouvrir le calendrier et j'ai envie de, pour celles qui seront consentantes à regarder la vidéo parce que je ne force personne. À découvrir et à probablement pouvoir acheter encore, il me semble qu'il y en a encore en stock un petit peu. Voilà, si elles ont envie de craquer, et ben qu'elles puissent le faire en toute conscience. On y va? Je vais vous mettre là-haut, comme ça vous n'avez pas besoin de voir ma tronche, surtout à cette heure-ci, et vous pouvez profiter pleinement de ce qu'il y a dedans. Voici, voilà. Hop. Donc, belle présentation. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est hyper chouette. Donc, malheureusement, on va devoir le défaire. Hop. On va ouvrir ça. J'enlève ça. Ah oui, moi j'ai pris celui de folie, je crois que c'est celui avec les dies. Je sais pas me raisonner. Donc bienvenue dans l'aventure des calendriers de l'Avent 2024. On est ravis de t'accueillir dans cette aventure où chaque jour tu découvriras des surprises qui t'aideront à capturer et célébrer les moments précieux de ta vie. Sur le groupe Facebook, partager, apprendre et créer ensemble le mini-album avec les produits du calendrier tout au long de l'année. Mmh. Pour que chacun garde la surprise d'ouverture de sa pochette, merci de publier son contenu le lendemain, s'il vous plaît. Bon, moi, du coup, j'obéis pas. J'obéis pas aux règles. Mais c'est une première, je crois pas avoir déjà vu ça, donc écoutez ça avec plaisir. On a un joli tote bag. Alors. Hop. On a un joli tote bag. Scrap Didi, bienvenue dans la famille. Scrap Didi. Là où créativité et passion se partagent. Et je suis bien d'accord. Donc on a un chouette tote bag. Je le replie soigneusement. Et puis ben, tiens, c'est rigolo. Les années précédentes, on a un paquet à réception. Et là, on n'en a pas. Et ben, c'est parti les loulous. Je vais les prendre. Elles sont rangées dans l'ordre, visiblement. Donc je vais les prendre comme elles viennent. Adhésif. Les bois adhésifs, franchement, c'est la vie parce que tu te casses pas la tête à mettre de la colle et que ça te dépasse pas, machin, que ça bave pas dans tous les sens. Ça, franchement, c'est la vie. Et il est marqué ma vie, mon film. Voilà. On a également deux dies étiquettes, matrice de découpe, duo d'étiquettes, calendrier, ma vie en scène. Bah oui, du coup. Logique. J'aime beaucoup. Ça, c'est sympa pour les embellissements. Mais pas que. Hein.
un tampon. Je vais tâcher de récupérer les petites pochettes. On les jette pas. Hein. Alors, tampon caoutchouc, lettre définition S star. Donc là, on a le mot star. Personne extraordinaire, pardon, qui illumine ma vie, ma star, occupe une place très importante dans mon cœur. Elle transforme chaque moment, chaque instant, pardon, en moment magique, apportant la joie. Sympa pour faire des fonds et tout ça. Pour celles qui se demandent combien il fait. Ah ouais. On va dire ça comme ça. Il fait à peu près 5. Ouais. Oui, 5,2, 5,3. On va dire par 4 à peu près. Sympathique. Ensuite, ça c'est une planche de mots. De mots avec différentes couleurs, ça c'est sympa. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez tout lire. Parce que je vais pas tous vous les lire non plus. Hein. Hop. Et ici on a un dies, nos jours heureux. Okay. Et donc ça perfore. Oui, parce que les contours ne découpent pas, donc ça perfore là où vous le posez, quoi. Ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à les utiliser. À part sur un papier libre, je veux dire à mettre sur une page, par exemple, bah, on pourrait. Pas, ou alors j'ai pas la méthode. Donc si vous avez une méthode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Des tampons clear, un merveilleux chapitre, une photo pleine d'émotions, lumière sur nos souvenirs, les coulisses de notre histoire. Fort sympathique. Assez petit pour être calé un peu n'importe où. Ça, on adore. Je vérifie au cas où il y a un double fond, tu sais. Alors, on a une matrice de déco qui est, ma foi, fort sympathique. Un clap de cinéma. Sympa. J'aime bien. Un mot en acrylique, ça aussi c'est sympa. Vedette. Et il est adhésif également. Ça c'est chouette. Parce que, bah, même histoire que pour le petit mot en carton, en bois, c'est que on s'embête à mettre de la colle et ça bave et voilà. Donc voilà.
tampon en caoutchouc, feuillage, comme illustré ici. Pas trop grand, pas trop petit, il est fort sympathique, je trouve. J'aime bien. Ici, on a un lot de 26 étiquettes. Donc, ma foi, ça sert toujours. Vous voyez. Ça sert toujours. C'est fort sympathique. Okay. Je vais mettre là. Hop, hop, hop. Et ici, on a des mots en matrice de découpe, focus et zoom, qui nous donnent ça. Ça sert toujours. Hop. Oh. Ça, j'adore. J'adore, j'adore. C'est nouveau, des puffy stickers. Alors ça, j'adore et j'en redemande même. En caoutchouc, synonyme de récit, synonyme d'histoire. Le récit compose les chapitres de notre vie. Il s'agit d'une histoire d'amour, d'une amitié naissante, d'un voyage inoubliable. Chaque chapitre nous façonne et nous transforme. Chaque histoire est riche en émotions et en découvertes. C'est l'art de capturer et partager nos souvenirs précieux et instants marquants d'une vie. Sympathique, sympa, sympa. Et ensuite, on a une matrice de découpe duo film négatif. Touk. Voilà. On a de l'aquarelle nuit profonde que je vais adorer, je le vois déjà, et matin verdoyant qui fait un peu couleur herbe si je puis dire. Mais la lumière est derrière moi donc je me penche un peu, désolée, mais nuit profonde, je vais adorer, je le sens bien. J'espère que vous verrez bien. On va mettre là. J'essaye de faire des petites catégories pour vous faire un petit bilan à la fin. Alors, on a une matrice de découpe ici, feuillage. Toujours bon à prendre. Ça sert toujours, toujours dans nos décos, mais pas que, dans nos créas, quoi. Donc ça c'est top. Et pareil, ça j'adore aussi, les embellissements en bois, surtout les mots. Ça sert tout le temps. Ah bon, on les a. Je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez tout lire.
Ça, c'est un grand tampon. C'est un film négatif. Il est grand aussi, lui, il fait combien ? Il fait quasi 10,5. Hein. Allez. Voici, voilà. Je vais mettre à côté. Hop. Alors, on a un mot en bois. Émotion capturée. Toujours adhésif. Hein. Et des matrices de découpe. Un trio de tags. On appelle ça un tag. Histoire, émotion, admirée. Mon faux, fort sympathique aussi. Un tampon transparent, focus appareil photo. Et c'est vachement bien fait. Je trouve. Vous avez bien la chose là. On a la petite batterie, le petit rec, les secondes, le zoom. Franchement, c'est bien fait. C'est une chouette idée ça. À voir comment on arrive à le mettre en scène. C'est franchement sympa. Alors, un tampon en caoutchouc, un clap fleuri, illustré juste là, qui lui est pas trop grand, pas trop petit. C'est un embellissement, je dirais. Il fait 3,5 de haut. Et allez, à son maximum, 4,5. Ça va, hein, c'est pas trop imposant. On peut le mettre un peu n'importe où. Ça, c'est chouette. Il n'y en a pas un, mais plusieurs. Pochoir, appareil photo. Et en fait, il y a deux fois le même. Si je dis pas de bêtises. Ouais, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça, c'est ingénieux. On voit qu'il y a de la réflexion là-dedans. Ça, c'est vachement chouette. Mais ici, j'ai oublié de dire ça. Matrice de découpe, clap de bonheur, instant de vie, fragment de joie. C'est pareil que tout à l'heure, cela j'ai un peu de mal parce que je sais pas comment, à part sur un bout de papier libre, pourrais pas le mettre au beau milieu d'une créa, vous voyez, ou alors j'ai encore une fois pas la méthode, et dans ce cas là je vous laisse m'éclairer. Ça, c'est chouette aussi. Les badges, moi j'aime beaucoup. Ça met du volume dans une créa. Donc éclat de vie, et là on a un autre.
On a quand même pas mal de catégories de produits dans ce calendrier. Hein. C'est franchement pas mal. Ici, on a un Polaroid Focus. C'est une matrice de découpe. Donc, qui est dans le thème, qui est fort sympathique aussi pour les embellissements. En caoutchouc, ticket fleuri illustré juste là. Hop, ma foi qui est pareil, pas trop grand, pas trop petit. Ça c'est bien agréable. Parce que quand c'est trop grand, après ça prend trop de place et on sait pas quoi en faire. Alors, de nouveau des petits mots. Ça sert toujours. Hop. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Et de nouveau des matrices de découpe, cette fois-ci avec Best of Coup de cœur. Ça, c'est chouette. Des petites étiquettes comme ça. Étiquette Best of. Ok. C'est chouette. Alors, tampon transparent. Étiquette à personnaliser. Donc vous avez l'étiquette et après vous avez tous les mots qui vont avec. Donc notre histoire, les coulisses, au fil du temps, ma petite scène, film du bonheur, étoile de ma vie. Et tous rentrent dans la petite étiquette. Ça c'est chouette aussi. Étiquettes de nouveau ici, cette fois-ci elles sont illustrées, j'ai envie de dire, mais vous avez des mots, des images. Ça c'est chouette aussi, parce que autant là on doit trouver l'idée pour décorer, ou alors on les met en avec quelque chose au-dessus pour superposer, que là ben le travail est fait. Ça c'est chouette. Et il y en a 27 dedans. 27 c'est pas rien. On a un dies également, mini film. Voilà. Pareil, pour faire un petit embellissement, c'est chouette aussi ça. J'aime beaucoup. Tampon en caoutchouc, zoom histoire. Je vous laisse regarder ça. Pareil, ni trop grand ni trop petit pour faire un fond ou mettre dans un coin de créa. Ça, c'est tip top. Alors, on a un mot en bois
adhésif de nouveaux souvenirs en images. Ça, c'est chouette. Aussi, bon, je sais pas si... Enfin, je vais pas inventer quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à les mettre en couleur. C'est-à-dire que moi, des fois, ça dépend de mon envie, mais je mets de l'aquarelle, je mets du feutre à alcool, je mets du nouveau pour donner du relief, en plus de ce qu'il y a déjà. Je mets du nouveau. Qu'est-ce que j'ai déjà mis aussi? Bon, du feutre simple, du stylo à paillettes, enfin, vraiment, enfin, faut pas hésiter, quoi. Vraiment, le bois, ça boit. Et du coup, vous pouvez embellir bien comme vous voulez. Insert disque moment, c'est un dies. Matrice de découpe. Et ça donne ça. Et ça, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Pas dégueu du tout. J'aime bien ça. Alors, on arrive au 24. Des aquarelles. Nuages ocre et brume rosée. Chouette aussi. Ça fait un peu café, genre. Ça fait une couleur café. Brume rosée, ça fait un peu... J'allais dire couleur blush. Mais bon. Touc. Et puis, ben... Moment fatidique. Le 25. Chaque année, il y a le petit ticket pour jouer. Alors, joyeux Noël. Chaque jour est une page de notre histoire que ce calendrier t'a inspiré à capturer et célébrer chaque moment précieux. Merci infiniment. Mais attends, ce n'est pas encore la fin. On se retrouve demain pour notre rituel, oui, du jeudi 26 décembre à 18h30 en direct sur la page Facebook de Scrap Didi avec le ticket. Pour te remercier de ta confiance, nous t'offrons jusqu'au 31 décembre inclus 15% de remise. Ok. Ça, c'est chouette. Hop. Et Scrap Didi Box tous les deux mois. Une petite pub. Une petite pub pour la box, j'allais dire mensuelle, non, toutes les deux mois, bimensuelle. Donc ça, je connais déjà. Malheureusement, j'ai dû arrêter. Tampon en caoutchouc ourson paparazzi. Bien sympa, bien rigolo. J'aime bien. On a des disques à relier. Ma foi, encore une nouveauté dans le calendrier. Et matrice de découpe reliure à disque. Donc, tout est là pour faire un mini-album. Exactement. Bah, franchement. Alors, je vais me débarrasser de tout ça, là. Parce qu'on voit plus grand-chose avec ça. Hop, hop, hop. Un peu de ménage et je reviens. Me revoici, me revoilà. Très honnêtement, c'est un chouette calendrier qui est hyper bien dans son thème. Ma vie en scène, ben franchement, ils ont pas menti. Oups. Un petit bout de pop. Ils ont pas menti. En gros, pour vous résumer, on a un embellissement bois mot. On a trois
mot en bois, un mot en acrylique. Tout est adhésif, donc il n'y a pas à s'embêter à quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt chouette. Je suis désolée, je cherche un peu mes mots, il est tard pour moi. Grosse journée. On a deux sets de deux aquarelles. On a trois lots de tampons transparents, des mots avec une étiquette. Ça, hyper ingénieux, c'est une super idée. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Top. Les petits mots qu'on peut mettre partout, ça on kiffe. Disque à relier, jamais vu. Matrice de découpe pour faire et refaire. Top. Les puffins, dommage, il n'y en a pas eu plusieurs. J'adore. Ça, c'est le truc que je kiffe. Parce que ça met du volume, c'est joli. Ça a de la couleur. Enfin, moi, j'adore. Perso, c'est un truc qui me fait kiffer les puffins. Ensuite, on a les étiquettes. Décorées ou non. Enfin, décorées. Quand je dis décorées, c'est qu'il y a quelque chose dessus. Vous voyez ? Celle-là, on doit y ajouter quelque chose ou non, mais dans le principe. Là, on n'a rien à faire. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Un set de pochoirs. L'un dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Hyper ingénieux. C'est top, c'est hyper bien pensé. Les badges. Simple et sympa. Les mots. Deux planches de mots. Pas trop, pas assez. Suffisant, je dirais. Les tampons, du coup, les tampons, c'est ce qui a le plus avec les dyes. Les tampons caoutchouc, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8 qui sont, ma foi, plus ou moins grands et qui sont fort sympathiques. Et qui sont dans le thème, hein, de toute façon, le thème était annoncé. Ils sont franchement sympas. Il n'y a pas de trop et de pas assez. Moi, j'aime bien. Ils sont fort sympas. Et pour finir, les dyes. Les dyes, ça, c'est le truc qu'on aime aussi, puisqu'on s'en resserre encore et encore. Donc, forcément, c'est hyper rentable. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, on a la moitié. Dans la moitié des pochettes, on a un dyes. Plus ou moins intéressant, ça dépend. Voyez-moi ceux-là, ceux qui percent juste, c'est ceux qui sont entre guillemets le moins intéressant pour moi, puisque je ne sais pas m'en servir autrement que sur une feuille libre, ce qui peut des fois bloquer, en tout cas moi ça me bloque dans ma créativité par rapport à ces dyes là, parce que je sais pas comment les utiliser en fait, mais ça n'empêche qu'il est très joli et que je l'aime bien. Ça n'empêche rien. Ils sont super sympas. Pareil, les petites encoches comme ça, c'est les trucs qu'on se sert hyper souvent dans les projets scrap. Ouais, je dirais c'est les petits trucs comme ça où j'ai probablement pas la méthode, mais le reste, j'ai rien à dire. C'est top. J'allais dire trop bien. C'est pareil, c'est top. Et puis, rendez-vous le name, adresse, phone, numéro. Rendez-vous le 26. Peut-être. je vous propose maintenant
de se faire le calendrier de l'après. Bah oui, si on le fait, on le fait jusqu'au bout. Allez. Allons-y. Calendrier de l'après, ma vie en scène. On est ravis de te retrouver dans cette aventure unique pour finir l'année 2024 en beauté. Tu découvriras chaque jour des surprises qui t'inspireront à immortaliser tes souvenirs et donner vie à ta créativité. Ok, c'est parti. D'étiquette, tampon en caoutchouc, sourire radieux, lumière sur nos souvenirs, sous les projecteurs, instant parfait, les chapitres de notre histoire, joie infinie, émotion forte, un merveilleux moment. Et hey, pas trop grande, pas trop petite, ça c'est cool. Bon, on dirait qu'il y a des paillettes. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais il y a des petites paillettes dans le caoutchouc, c'est trop chaud. J'aime beaucoup. Carton, bois adhésif, histoire à partager. Je sais plus combien coûtait le calendrier de l'après. Tampon en caoutchouc, de nouveau un feuillage, pas trop grand, pas trop petit, je dirais 7,2 de long, ça va. Oupsie, désolé, j'ai essayé de pas faire de bruit, hein. Là on a une planche de mots. Là, on sent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on sent que c'est l'après-Noël. On sent que ça... parce que juste ça et juste ça dans une pochette, il ne me semble pas qu'on ait eu ça dans le calendrier de l'Avent. Donc là, on sent que la pression redescend, si je puis dire. Des petits mots. Enfin, des petits. Phrases. Voilà. Des tampons transparents, scène de bonheur. Mon petit album, scène de bonheur, cadrage parfait, séquence souvenir, scénario parfait. Et du coup, le 31.
je vérifie, mais non. Alors, bonne année 2025. Voilà le dernier jour de notre aventure. Souviens-toi que chaque moment, petit ou grand, mérite d'être capturé. Continue à créer, à rêver et à vivre pleinement ta belle histoire. C'est beau. Tampon caoutchouc, une histoire remplie de bonheur. Celui-ci est un peu plus imposant quand même. Il n'en est pas moins sympa. Et voilà. Je vous reprends un petit coup. Et voilà, pour moi, j'ai ouvert les deux calendriers. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pas mal de nouveautés. Pas mal de nouveautés, des choses que j'avais pas vues, que j'avais pas vues avant. Et il m'a fort bien pensé, fort ingénieux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on voit que le calendrier de l'après, c'est vraiment pour désamorcer. Je sais plus à combien il était. Je crois qu'il était à 20 euros. Je ne sais pas si je dirais des bêtises ou pas. Mais on voit que c'est pour désamorcer, quoi. Notamment avec ces deux pochettes-là. Celle-ci où celui-ci est tout seul. Et celle-là où ça c'est tout seul. Donc on sent qu'il faut faire retomber, entre guillemets, la pression. C'est juste le... pour se faire un petit plaisir, voyez. On connaît ça. C'est le petit chocolat après, tu vois. Enfin bref. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de créer avec tout ça. Et puis de suivre aussi sur... je vais essayer, parce que je ne vais pas beaucoup... Je ne vais pas sur Facebook, pas tant que ça. Quand vous voyez des choses de moi sur Facebook, c'est souvent que Instagram repartage. En fait, ça se relaye tout seul. Donc, je vais essayer de ne pas oublier d'aller sur Facebook et de suivre tout ça. Pour celles qui ont été assez curieuses, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura décidé à prendre les dernières pièces qui peuvent encore traîner chez Scrap Didi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.